Cheers. Il est présentement 8h31. And this is your reminder, ladies, to drink your water. Dès que tu te lèves, tu te prends un verre d'eau. Dès que tu déjeunes, tu te prends un verre d'eau. Dès que tu vas te préparer, tu prends un verre d'eau. It's non-stop, ladies. Anyways, donc sur ce, je vais aller sortir mon chien. Are you ready, baby? Oh my god. Thématique d'entraînement, j'ai envie de recevoir un colis de 7 actifs. So, first thing first, j'ai pris, j'étais raisonnable, j'ai juste pris deux kits parce que j'en ai déjà une coupe à la maison. Mais il y en a une coupe là-dedans qui me font plus. Fait que le premier ressemble à ça ici, c'est comme le top avec une seule bretelle puis des leggings. J'ai pris la grandeur small pour ceux qui s'intéressent, mais je regarde ça, ça a l'air quand même petit. Et le kit numéro 2, je pense que c'est mon préféré parce que j'ai vraiment une obsession avec cette couleur-là ces temps-ci. Et c'est celui-là ici. Fait que c'est le même tissu, mais cette fois-ci il est en brun. Puis pour faire différent, j'ai pris une camisole. Fait que ça ressemble à ça, la gang! Yeah, j'ai déjà hâte de m'entraîner. Fait que that's it! C'est tout! Yeah! Regardez comment c'est cute quand je travaille. J'ai mon petit Louis en arrière. T'es bien mon coco d'amour? Oh my god, he's so fucking cute cet enfant-là, je peux juste pas là. Je suis en train d'acheter des... C'est difficile à traduire fidèlement en français, mais c'est comme les petites enveloppes pour le transport. Fait que c'est vraiment là-dedans que je mets les vêtements pour vous les shipper à vos adresses respectives. En ce moment pour Noble, c'est des boîtes comme ça que j'utilise pour shipper vos envois. Là, j'avais sorti ma règle, j'étais en train de tout comme calculer les dimensions de la boîte pour être sûre que je commandais la bonne chose. Ça, c'est notre plus gros format de boîte, j'en ai des plus petites aussi. Ça, c'est pour celles qui commandent plusieurs morceaux en même temps. Sinon, si vous commandez juste un morceau, c'est des plus petites boîtes. Fait que j'ai comme essayé de comparer les dimensions que j'avais déjà pour être sûre de commander la bonne chose. Je pense que j'ai fait le bon calcul, puis je pense que j'ai trouvé quand même quelque chose d'assez raisonnable. Fait que je vais vous montrer mes choix. Le premier choix, c'est un sac compostable comme ça, fait qu'il est noir. C'est cool parce que... les autres sites me donnent pas le choix de couleur, puis ici je peux vraiment choisir la couleur que je veux. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice. Puis en plus, l'autre point positif, c'est que je peux mettre mon logo par-dessus, ce que d'autres sites offrent pas pour des plus petites quantités, parce que moi, je veux tester aussi avant de commander une trop grande quantité si j'aime vraiment ça, ce matériel-là pour shipper. Sinon, le deuxième, c'est celui-là ici. Lui, dans le fond, il y a pas de logo par-dessus, mais moi, j'ai mes petits collants comme ça, je vais vous montrer. Tu sais, j'ai déjà comme le petit collant que je pourrais peut-être apposer par-dessus. En plus, mes collants sont... compostable aussi, fait que tu sais, ça pourrait fonctionner. Puis tu sais, au pire, je pourrais mettre mon collant ici, genre, je sais pas trop, tu sais. L'autre point négatif de celui-là, par exemple, c'est que vu qu'il est custom, ça va prendre beaucoup de temps avant de le recevoir. Puis notre prochain job sort quand même assez rapidement, fait que je sais pas si je vais l'avoir à temps, fait que c'est comme, qu'est-ce que je fais? Regardez le bordel de l'appartement. Yes, sir! On a reçu le divan de la compagnie Cozy. C'est vraiment nice. C'est un divan qui vient dans des boîtes. On l'a reçu il y a peut-être 20 minutes, puis il est quasiment déjà tout terminé d'être monté. C'est quand même vraiment nice. Mais il a l'air de ça. Je vais vous montrer le résultat final dans pas très longtemps. C'est le bordel total. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est un grand divan 4 places. Il est vraiment, vraiment grand, vraiment large. Honnêtement, il y a full de place. Puis là, j'ai changé les petites tables. J'ai mis comme les anciennes que j'avais dans mon autre appartement. Puis je trouve que ça vient bien compléter le reste du salon. Puis il faut dire que je me suis pas débarrassée de mon divan. Il était vraiment pratique parce qu'il se séparait en deux. Fait que la première partie est dans du rangement de l'appartement. Puis la deuxième, je l'ai mis dans le bureau en attendant. Ça ressemble assez ici. C'est sûr que c'est pas la pièce idéale à mettre dans un... bureau, tu sais, il est quand même vraiment large puis il prend beaucoup de place. Mais au moins, ça me donne un endroit pour pouvoir le mettre en attendant pour le conserver. Parce qu'éventuellement, j'aimerais ça avoir un bureau pour Noble, puis je trouve que ça fait comme une belle petite pièce à ajouter dans un bureau. Parce que en ce moment, l'endroit où est-ce que je travaille pour Noble, ça va bien pour la première collection. Mais plus que les collections vont avancer, plus que je vais accumuler du stock, des boîtes de vêtements. Et j'ai comme pas assez d'espace de travail pour faire tout ça ici. Fait que bref, quand je vais avoir un bureau plus grand, j'avais pensé le mettre là. Fait qu'en attendant, je l'ai mis là. Fait qu'il fait face à mon bureau comme ça.
ça. Fait que ça fait comme une petite zone cosy. Je trouvais que c'était quand même approprié comme endroit. Fait que, en tout cas, ça ressemble à ceci. Anyway, aujourd'hui, c'est une journée vraiment nuageuse. Comme vous pouvez voir, j'ai été obligée d'ouvrir les lumières de ma cuisine pour mettre un petit peu d'éclairage à l'intérieur de ce vlog-là. Qui dit journée nuageuse, dit journée relax en nous. Et que ça, c'est mon outfit pour profiter avec la journée grise. Je vais s'habiller en gris. Là, il va y avoir le... qui s'en vient. Ouais. On va pouvoir commencer le dev de celui-là. Parce que techniquement, après ça, on va commencer déjà à travailler pour l'automne-hiver, mettons. Niveau stratégie marketing, je pense que ça pourrait bien fonctionner. Il est très limité, très exclusif. Je trouve que ça conclut bien. I cannot wait de vous montrer qu'est-ce qui s'en vient pour cet été avec Noble. Ça a pas de bon sens, ça va être incroyable! Ça a pas de Christy de bon sens, ça a juste pas de Christy de bon sens. Bienvenue chez Starbucks, qu'est-ce que tu vas recommander? Allô, je vais te prendre un moyen latte glacé à base de lait d'avoine. Et avec ça, je vais te rajouter par-dessus ton sweet cream foam, s'il te plaît. C'est autre chose? Non, ça va être tout. I can feel the coffee entering my body. Hey! Hey buddy! Hey baby! Okay, so we got the goodies! Et par goodies, I mean... We also got the puppuccino! C'est tellement nice parce qu'à mon Starbucks à côté de chez moi, que je veux quand même vraiment souvent, j'ai jamais besoin de le demander parce qu'à chaque fois qu'il va louer en arrière, ils sont genre « Est-ce qu'il veut un puppuccino? » Fait que je me le fais toujours offrir, c'est tellement nice! So, pour ceux qui auraient mal entendu la commande, je vous le jure, c'est vraiment incroyable! Si vous aimez quand même le café, un latte au lait d'avoine, ça goûte quand même assez... Je dirais pas fort, mais tu sais, c'est le lait d'avoine a un petit goût sucré, mais c'est pas comme... Ça couvre vraiment pas trop l'odeur du café, fait que c'est vraiment excellent! Mais vu que j'ai la petite dent sucrée, je rajoute par-dessus le sweet cream foam. C'est juste incroyable pour de vrai. Chaque gorgée, c'est comme... Ah! It's so, so, so fucking good. Viens, tiens, avec à maman. Bon chien. Good boy. Cheers, la gang. T'es-tu fini? Tchin tchin, mon chien. Good morning to you all. Donc là, je suis en train de me préparer parce que je dois aller faire des commissions... pour Noble, aujourd'hui c'est vraiment une journée de travail de A à Z pour Noble, il n'y a rien d'autre qui se passe. Je le savais un peu en partant une entreprise en pleine pandémie que j'allais avoir des défis. Faut tout que je passe mes commandes par internet, par courriel ou par téléphone, puis honnêtement je sais que ça a l'air de rien parce qu'au moins je peux commander puis je suis tellement reconnaissante de ça. Mais magasiner du tissu déjà de base par internet, c'est l'enfer là, je pense que je suis vraiment vraiment minutieuse dans les choix que je fais, puis là de pas pouvoir les toucher, de pas pouvoir les voir, de pas pouvoir, c'est con là, mais juste comme avoir le feeling, voir la densité du tissu, voir l'opacité du tissu. En ce moment pour les tissus je fais de l'échantillonnage pour pas faire de gaspillage justement, fait que tu sais, je vais avec le choix que je suis le plus sûre de ce que je vois sur internet, puis après ça une fois que je le reçois, ben je le teste. C'est vraiment un gros défi, fait qu'il y a genre un petit délai de 2 semaines sur la production de la collection qui s'en vient. J'avais dit février sans donner de date. Ça devrait arriver en fin février environ. Mais honnêtement, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la production se passe bien. La collection est incroyable. Puis au moins, même si c'est plus compliqué puis que ça demande un peu plus de back and forth, ben au moins, on réussit à quand même mettre la main sur du matériel de qualité, le fun, qui représente bien le brand. Puis en plus, qui est eco-friendly, fait que c'est fucking sick. Fait que bref, c'est ça, il faut que j'arrête de parler, sinon je vais être en retard. Mais on s'en va, je me prépare pour aller chercher du matériel chez mon fournisseur à Montréal. Regardez, ça ressemble à ça ici. C'est un élastique tissé, il était vraiment difficile à trouver comme je vous dis parce que tous les fournisseurs que je vois habituellement étaient tous comme low en stock, puis j'en avais besoin de 2 grandeurs. Celle-là c'est pour la collection qui va sortir, je vous dirais, peut-être plus en avril mettons, fait que c'est pas la prochaine qui s'en vient, l'autre c'est déjà tout en production puis ça s'en vient bientôt. Celui-là c'est pour qu'est-ce qu'on va commencer à produire dans pas long. Je voulais vraiment un élastique... de bonne qualité, qui allait pas twister, qui allait rester vraiment solide puis rigide à force de le porter puis à force de le laver. So, I just got back home. J'ai reçu un colis, j'ai aucune idée c'est quoi. Aucune idée. Puis même l'étiquette dessus pour vous dire c'est qui a envoyé ça, j'ai aucune idée c'est qui. Guys! Oh my god! J'ai reçu un colis Gucci. C'est tellement hot, c'est tellement hot, c'est tellement hot, c'est tellement hot, c'est tellement hot. Je vais vous montrer le colis avant tout, je l'avais pas montré. Fait que c'est un parfum pour homme, un parfum pour femme. Oh my god, wow. Oh my god! Ok, celui-là pour homme, c'est vraiment sexe comme odeur. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire et pour conclure que c'est vraiment vraiment sexe. Je suis extrêmement reconnaissante de tout ça, c'est complètement malade. Fait que c'est ça.
Hey! Fait que là, je suis de retour à travailler. J'ai quelques petits trucs à faire pour Noble, dont shipper les fameux élastiques que je t'allais chercher. Fait que je vais préparer l'envoi pour demain matin pour que ma prod les reçoive le plus rapidement possible et qu'on commence la production déjà de la collection. En fait, c'est la collection numéro 2, mais il y a comme différents petits jobs. Fait que c'est le deuxième job de la collection 2. Puis il faut aussi que je vérifie une affaire. Je vais appeler ma mère sur FaceTime parce que, pour ceux qui ne savaient pas, ma mère c'était mon agente l'année passée. Depuis un an, mes contrats sont tellement plus spécifiques que j'en ai moins, mais sont plus avantageux, sont plus ciblés dans ce que j'aime. Fait que maintenant, j'ai plus de temps pour m'en occuper toute seule. Fait que j'avais plus vraiment besoin d'avoir l'aide d'un agent ou d'une agente. Mais ma mère m'aide encore de temps en temps à gérer mes trucs, là, on décide comme ça. Puis il y a une affaire avec mon contrat de Dyson qu'il faut que je vérifie avec elle. Parce que je vous annonce officiellement que j'ai re-signé un gros contrat avec Dyson, un contrat annuel. En plus, Dyson, ça va faire 2 ans que c'est mon client qui revient tout le temps. Puis ça, c'est tellement nice parce que ça prouve qu'il aime travailler avec moi. Fait que c'est un full gros compliment pour moi. Puis en plus, ben, je trouve que ça donne beaucoup de crédibilité à mes hashtag ads parce que j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, c'est des produits que vous savez que j'aime vraiment parce que ça fait plusieurs années que je collabore avec eux. Puis là, ben, c'est ça, j'ai une question par rapport au contrat. Fait que je vais appeler ma mom. Hello! Salut! J'avais une question. Le truc Dyson que tu m'as envoyé, là, je comprends pas c'est quoi. Ok, fait que je m'excuse pour l'éclairage de Domp. Je suis sur le point d'aller prendre des petites photos. Quand je vous ai dit que je prenais mes photos la plupart du temps toute seule, j'ai reçu beaucoup de questions de personnes qui demandaient comment je fais, qu'est-ce que j'utilise et tout est kit. Puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de l'inclure dans ce vlog-ci. Parce que je vous dirais que 90% du temps, c'est moi qui prends mes photos toute seule. Et honnêtement, c'est tellement facile, tellement efficace, tellement pas compliqué, que vous soyez créateur de contenu ou pas, si vous aimez ça vous prendre en photo, ben c'est toujours le fun d'être capable d'être une strong ass independent bitch qui est capable de le faire toute seule. Fait que je vais vous montrer dans le fond ce que j'utilise. La première des choses que ça vous prend, c'est une petite manette comme ça que j'ai reçue à Noël. Fait que ça fait pas longtemps que je l'ai, puis avant je prenais mes photos toute seule quand même, mais honnêtement avec ça, c'est juste un game changer. Ça n'a aucun sens comment c'est plus facile, plus rapide. Fait que ça vous prend une petite manette Bluetooth connectée à votre téléphone, et ça vous prend, of course, un trépied. Fait que ça, c'est pas mal la petite base que ça vous prend. Fait que là, on va aller shooter ça parce qu'on est le jour de la semaine où est-ce que je shoot du contenu comme extérieur. Parce que la plupart du temps, je suis capable de faire mes photos à la maison, mais des fois, ça fait du bien de sortir un peu. Hein? Fait que, c'est ça. Fait que let's do this! That's the spot we'll be working with. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a personne à l'horizon. Coucher parce que je suis dead. Mais je vais quand même prendre un moment juste avant de vous montrer ma routine de café glacé. Je l'avais montré sur Instagram, puis les gens étaient vraiment curieux de savoir comment ça marchait. Fait que je vais vous montrer, c'est vraiment un processus vraiment simple, mais ça prend une machine vraiment spécifique, ok? Fait que t'as le filtreur, le filtre, puis la bouteille dans laquelle le café tombe. Je pense que ça s'appelle un infuseur à cold brew, mais je suis pas certaine. Fait qu'en tout cas, ça ressemble à ça ici. Fait que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu mets le filtre dans la machine, tu visses le contenant après le tout pour que le café puisse tomber dans quelque chose, donc ça va tomber à terre. Puis là, le reste, c'est super simple. Mon ratio, c'est 6 cuillères à thé de café pour 3 tasses d'eau. Fait que dans le fond, je prends 6 cuillères à thé de café moulu comme ça. Puis après ça, je vais venir mettre 3 tasses d'eau. Fait que là, toute la nuit, ça va infuser. Le compartiment, ben c'est comme un genre de thermos, c'est que je peux le fermer. Je vais mettre au frigo. And then, on procède à faire le gruau pour demain matin. Fait que dans le fond, c'est vraiment cool parce que la veille, je fais mon déjeuner. Fait que là, le lendemain, quand je me réveille, affamée comme un monstre, ben tout est prêt. J'ai mon petit café, mon petit gruau. En gros, ça vous prend un pot maçon ou n'importe quel pot hermétique. Prends ta quantité de gruau. Une demi-tasse, c'est genre mon go-to. Tu la mets dans ton pot maçon. Sans faire de dégâts, idéalement. Fait que essayez de ne pas prendre exemple sur moi. On va ramasser ça demain matin. Une fois que vous avez votre gruau, ça vous prend. Des graines de chia, évidemment, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi, je rajoute toujours ça parce que ça rajoute un peu de consistance. Je mets à peu près une cuillère à thé. Tu prends ton lait végétal de ton choix. Moi, je prends le lait d'amande non sucré. Ça fait vraiment la balance de goût parfaite jusqu'à ce que ça couvre ta demi-tasse de gruau. Fait qu'environ une demi-tasse de lait aussi. Et la petite twist, la cannelle, pas trop. Et là, ma partie préférée,
de le fermer hermétiquement. Là, tu fais ça. Fait que c'est ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. On the grab, it's amazing. I love it, ça a changé ma vie. Et sur ce, il est rendu 10h35, donc ma tante Noémie va aller se coucher parce que j'ai passé mon heure. Et on se revoit demain matin, 7h30, pour déjeuner le tout. Wouhou! La gang, j'ai menti, je m'en vais pas faire de dos tout de suite. Je vais pas faire de dos immédiatement à l'instant même parce qu'il faut que je fasse un petit peu de recherche pour Noble, en fait, pour quelque chose qui s'en vient. Fait que ce que je fais, c'est que je m'installe le soir puis je scroll sur mon iPad pour faire ma recherche. Fait que toutes les designs de Noble se sont faites en direct de ce lit. Ok, tant qu'à être là, je vais vraiment vous montrer la routine exacte de A à Z. Fait que la première des choses... Ah, merde! Mes courriels Noble m'attendent demain matin, là. Fait que première étape, je ferme la lumière ici. Je laisse toujours des petites chandelles pour m'endormir comme ça. Genre, c'est la dernière chose que je fais avant de me coucher. Et là, j'embarque dans mon lit. Et là, c'est autour de Louis. Et toi? Good boy. J'ai mis une petite playlist comme ça pour faire mes recherches en même temps. C'est full inspirant. And then, last but not least, on va mettre l'alarme 7h30. Because we got a lot of shit to do.